Salut les geeks, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les geeks, j'avais envie de me balader et d'aller à la pêche. Alors j'ai décidé de vous emmener, puis j'ai aussi invité un copain, je suis avec Farod. Salut Farod. Bonjour à tous et à toutes, salut les geeks. T'es prêt à aller pêcher Farod aujourd'hui? Alors moi je suis hyper prêt, mais alors juste avant, je voulais savoir, quand tu dis salut les geeks, est-ce que c'est un placement de produit pour Mathieu Sommet ou c'est comme ça? En fait il le sait pas encore, mais à la fin de l'année je vais lui envoyer une facture. Ah très bien, ça marche. Hey, coucou Farod. Alors, t'es déjà prêt? Et oui, moi je t'attends depuis tout à l'heure, je suis prêt pour aller pêcher là. Eh mais attends, fais voir ta tête Farod. Coucou. Tu es trop Attends, je vais faire un bisou là. Attention, no gay, hashtag no gay. Est-ce que tu sais pêcher mon garçon? Eh bah oui, moi je sais pêcher. Il faut qu'on trouve un bon endroit pour pêcher. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon endroit pour pêcher? De l'eau. Oui, non mais ça c'est évident. Ah merde. Non mais en fait c'était ma blague et tu me l'as volée, je suis dégoûté. Je suis vraiment désolé. Je te fais la gueule, regarde, j'irai pêcher dans mon coin. Et on dirait tu tiens ton zizi dans les mains. Mais Adrien, c'était mon zizi. Et mon personnage, il regarde trop ce que t'es en train de faire. Je te jure, c'est un petit peu chelou ce qui est en train de se passer. Ça fait plaisir que t'aies pu venir cet après-midi et que ta femme, elle t'ait bien laissé sortir avec moi. Ouais, elle sait très bien que nous deux, on est un peu trop proches, mais écoute, faut bien se faire plaisir dans la vie. Je vais te montrer comment on jette sa ligne. Ok, vas-y, je te regarde. Ce qui compte, c'est pas la taille de la canne à pêche, non, c'est la manière de s'en servir. Allez, je vais te montrer comment moi je lance la ligne. Attention. Et hop là. Oh merde, je mets la ligne dessus. Oh, j'ai failli viser le truc d'en face. Ouais, le petit ponton là-bas. Reste où tu es, j'y vais en face. Mon personnage, il est trop vénère quand il court, j'aime trop ça. Oh, j'en ai marre, il me fait chier l'autre con, je vais aller pêcher dans mon coin. Vas-y, est-ce qu'on fait, on essaye de toucher l'autre avec sa ligne, ok? Et hop là, je l'ai lancé super fort. Oh, je t'ai eu. Tu m'attrapes. Au premier coup. Ouais, je suis de retour avec Farod. Ne me fais pas des petits bisous dans le cou, voyons. Ça fait un peu peur. On va faire celui qui pêche le plus rapidement possible. Oh, j'ai vu des bulles bouger là-bas au loin. Je sais exactement où il faut lancer. Hop là. Ah, attends, moi, ça tire. Oh, ça tire. J'ai pu jouer en poisson. Enfin, je l'ai pas encore. Il faut que j'aurai de la puissance de ma ligne. Là, il faut que je mouline. Supporte-moi. J'ai plus des cailloux dans les yeux, là. Crache-lui dessus. Un petit bisou. Allez, je veux l'avoir. Arrête avec tes bisous. Tu me fais peur. Il se débat. Allez, oui, je peux l'avoir. Oh, vite, l'épuisette. Vite. Oh, je peux l'avoir. Diriger l'épuisette. J'ai pas appris ça, moi, dans le tuto. Je l'ai eu. Il est magnifique. Je le vois. Il est beau. Arrête de marcher sur mon poisson, là. Regarde comment mon personnage est trop fier, quoi. Regarde, on dirait tomber amoureux. Eh hey, toi, ils sont où tes poissons? T'as pas de poisson? Eh non. Eh hey, tu sais quoi? Eh hey, ta femme c'est un thon, c'est le seul poisson que t'as jamais eu dans ta vie. C'était quoi cette blague? Mais vas-y, c'est une blague de pêcheur, tu peux pas comprendre. Petit poisson, où êtes-vous? J'ai des croquettes pour poissons. Croquettes pour poissons, t'as cru que c'était des poissons chats? Ouais, ah oui, putain, ouais, ça pourrait marcher en plus. Eh hey, mais regarde au sol, est-ce que ça serait pas plein de petites sardines et plein d'anchois? On dirait hein, que c'est des poissons, mais en fait c'est des bouts de bois. Oui, j'ai un délire, oui, je suis tout seul. Oui, je m'en vais, au revoir. On va fermer le lac, monsieur, si vous voulez bien sortir. Mais casse-toi, putain. Tu fais fuir les poissons, là, il y en a qui essaient de pêcher. Toi, l'année prochaine, on retire ta licence, hein. Bon, bah, on a bien marché, on a trouvé d'autres pêcheurs. Oh, il a mis sa tente, le gars, il avait une tente qui chute à 2 secondes. Et il l'a posé au calme. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Parod, distrais-le, je vais faire caca dans sa tente. Eh, monsieur, il est un professionnel, il a mis 2 cannes à pêche. Regarde, vas-y, on te bloque, tu vois plus rien, tu peux pas pêcher. Vous êtes jumeaux? Ah ouais, on est frères jumeaux, c'est mon frère. Il fait le gars hyper concentré, hein. Il veut pas du tout parler, le gars, il est à fond dans le poisson, quoi. Le poisson, c'est sa vie. Oh putain, il a posé sa canne à pêche, il veut se battre. Vas-y, je me barre. Bonjour, monsieur. Et lui, il est chaud, hein. 3 cannes à pêche, c'est comme les rasoirs, hein. T'as de plus en plus de lames et de plus en plus de cannes à pêche. Il fait pas semblant, lui. Mais c'est le genre de mec, en soirée, il va pas essayer de draguer une meuf, hein. Il en attaque 3 à la fois. Et je peux embêter quelqu'un avec ma canne à pêche. Je peux donner des coups de canne à pêche, là. Ça te dérange même pas. Il y a que des professionnels, les gars, tu peux pas les déstabiliser, là. Où vas-tu? Adrien, je te vois de loin, où vas-tu? Bah, je visite. Putain, mais j'ai envie de faire caca, il arrête pas de me suivre, j'en ai marre. Adrien, je te vois. Je suis dans un buisson, je suis en train de prendre des verres. T'as déjà pêché, toi? En vrai? Bah non, pas en jeu vidéo. Non, en vrai, j'ai jamais pêché. Moi, j'ai fait la danse de la corde. Tu vois, comme un serpent, c'est la danse de la corde, ouais. Toi, je vais aller pêcher tes cactus. Je voulais peut-être te réexpliquer le principe de la pêche, alors, Farod, si tu veux bien. Ah, pourquoi c'est seulement réservé aux poissons? Puis 7e classement, c'est-à-dire qu'en faisant de la merde depuis tout à l'heure, je fais mieux qu'un mec qui joue sérieux. Ça en dit long sur le niveau des autres. Et toi, t'es combien au classement? Moi, je suis 4e. Mais en fait, on a un score de 0. Donc, au final, qu'on soit 4e ou 6e, peu importe. Ah, on est tous des merdes, en fait. Très bien. On va se calmer, là. Regarde ce que je fais. Ah. Moi, je crois. Et il s'est pris pour un cowboy, il a le pêcher, regarde. Taillot, allez, on y va, on est assez haut. J'aime bien comment tu moulines. Le gars, il mouline en arrière, quoi. Et toute une il travaille ses muscles. J'essaye de lui pêcher sa chaussure. T'imagines, on lui vole sa tente et sa chaise et toutes ses affaires. Mais attends, mais il y a moyen de faire un truc vu que là, ouais, on est à côté d'un. Attends, tu me donnes des idées là. Pars sur une tente.
C'est moi qui te le dis. Ce soir, on va manger de la tente. Ouais, enfin, tu fais ce que tu veux avec les autres pêcheurs, mais moi, ça m'intéresse pas trop, en fait. Vas-y, je sens bien. Je vais essayer d'attaquer celui en face. Attention, 3, 2, 1, partez. Ah, je l'ai carrément loupé, mais carrément, quoi. Mais j'ai eu sa tente, par contre. Mais tu me mets la canne à pêche dans le dos, là. Enfin, tu me traverses le corps avec ta canne, non? Non, c'est pas vraiment dans le dos que je pensais te la mettre. Mais ne bouge pas, ça va venir, ne t'inquiète pas. Ah, très bien. Attends, je me penche un peu en avant, peut-être que ça t'arrangera. Mais t'es vraiment un cochon, toi. Et regarde, je me suis fait un ami, bonjour, toi. Vas-y, redis-lui autour, là. Vas-y, déconcentre-le qu'il n'ait pas de poisson. Allez, t'en auras pas. Putain, nous, on est les gars relous, tu sais. Non, tu pêcheras pas. Non, c'est mort. Non, c'est nos poissons. Ici, c'est notre spot. On vient depuis 5 ans, on vient tous les étés, d'accord? Et nous, on a beau être des pêcheurs, on est des thugs, ok? On est les lascars du lac. Vas-y, on pêche au même endroit que lui. J'ai pêché tellement proche de lui que j'ai son nez sous les yeux, quoi. Il me regarde tout vite dans les yeux. Ça fait vraiment très étrange. Et t'entends pas sa canne à pêche qui fait du bruit au gars? Sa canne à pêche, elle bip au gars. Le mec, il a mis un téléphone portable canne à pêche. Et sur sa canne à pêche, il y a un sonar, un GPS, le wifi. Il fait même micro-ondes. Tu vois, il prend le poisson, il le met au micro-ondes direct. Monsieur, vous avez un appel d'un poisson. Il faut répondre. Allô, monsieur le poisson, est-ce que vous êtes là? Il y a de la friture sur la ligne. Je vous entends pas très bien. Bon, on n'aura pêché aucun poisson aujourd'hui, Farod. Ça aura pas été une journée très productive. Mais non, j'ai été nul. Toi, t'en as pêché un par contre. Bon, allez, je te propose, on rentre à la maison ou aller boire une petite bière. En tout cas, merci Farod d'avoir participé avec moi. Et bien à cette petite séance de pêche et à cette vidéo. Mais c'est avec grand plaisir, en espérant pouvoir refaire ça, peut-être pas à la pêche, mais sur un autre sport quelconque. Avec plaisir, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Farod dans les infos de la vidéo. Et puis surtout dites-moi à travers les petits pouces bleus, à travers les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas c'était un vrai plaisir de vous emmener à la pêche. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas que si la vie est un jeu à l'heure, amusez-vous bien, ciao. Au revoir. Oh, je vais devoir aller chercher un seau je pense. Oh, j'ai pas prévu de seau, j'avais prévu de prévoir un seau mais je l'ai pas fait. Oh là là, je sais pas de quoi j'ai l'air là. Wow. Alors, est-ce que l'outro était bonne? Bah oui, pourquoi? Ah, je sais pas, non. Tu as un problème avec mes outros? Ah non, bah... Tu veux qu'on en parle? Parlons-en. Non, d'accord. Elle était très Et bon. Bah, tu sais ce que j'en pense de tes outros, toi? Moi, y a pas d'outro. Voilà. Moi, dès que j'ai fini le jeu, bah ça coupe de suite, la vidéo s'arrête. Bah, justement, c'est peut-être ça qui pose problème.